Salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content, très effrayé également de vous retrouver aujourd'hui pour ce 29e épisode de notre aventure sur Far Cry Primal, direction notre dernière menace les amis, vous l'aurez compris, nous sommes au nord de la map et comme convenu, on va entrer dans les terres de l'enfer. Dans les terres Udam, évidemment, installez-vous confortablement, n'oubliez pas, mettez-vous dans le noir tranquille, commence à faire froid mine de rien, voilà, mettez-vous cosy et entrons, on va se chauffer sur les terres Udam, régie par Ul. Ul, on t'en veut pas, évidemment, on va juste t'affronter simplement. N'oubliez pas évidemment le petit pouce bleu en ce début d'épisode et allons-y en avant Guingamp, on va se mettre dans la panade, hein. On avance, direction la fin du jeu. Dernière ligne droite, peut-être. Ce qui est certain, c'est qu'on a encore pas mal de choses à faire. Et alors là, je me suis enflammé parce que là, je peux pas accéder. Il faut que je me balance, j'imagine, à moins qu'il y a d'autres grappins. Ah, attendez, qu'est-ce que je suis censé faire? Ah, je me suis peut-être un petit peu enflammé. Ah, comment je dois faire? Alors, je vais essayer de me balancer, mais enfin, ça me paraît un peu archaïque. Mais attendez, mais je suis censé faire quoi, là? Non, non, ça marche pas. Ça marche pas ce que je veux faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut aller là. Et à mon avis, voilà. Je sais pas qu'est-ce que j'ai voulu tenter, mais j'ai voulu tenter. Qu'est-ce qu'il veut lui? Allez hein. Toujours un bonheur de tirer les sagas à côté. Voilà hein. Par contre je te laisserai pas repartir comme ça évidemment. Tu m'as attaqué, je te termine. C'est évidemment la moindre des choses de rendre l'appareil. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous devez préparer l'antidote contre le poison. Ah là, on n'a pas le choix d'utiliser l'antidote. Bah ça tombe bien, puisqu'on a ce qu'il faut. Tu sens vraiment que là, c'est censé être la moitié du jeu là. Hein. Et pourtant, non, on est à la fin, on a vraiment tout fait à l'envers. Les terres Udam. Ouh là 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 là. Traverser les gorges Udam. Ce sont évidemment des gorges profondes. Alors, sympa, sympa l'accueil. Oh, on a rêvé mieux quand même. Hein. On a rêvé mieux. C'est un bonheur, c'est un plaisir. On va essayer de pas passer à côté des mains d'Aïcha hein, pour éviter de faire des détours. Sait-on jamais? Non mais vraiment, là il n'y a rien hein, en tout cas, mais ce sera plus tard qu'il faudra faire gaffe. Allez, je vais peut-être appeler un ours avec moi. En vrai, je me sentirai un peu plus rassuré, vous savez ce que je veux dire. Salut! Voilà, ça dégage. Alors, c'est parti, enfin, un petit peu d'exploration réelle, suite de l'histoire. Ça va me manquer quand même, hein. Je vous le dis déjà, on n'y est pas encore à la fin, mais... Enfin, on y arrive, mais c'est pas fini, mais ça va me manquer, je le sais déjà, et... C'est vrai que ça me tente Far Cry 5, hein. J'ai hâte de vous lire en commentaire, voir ce que vous voulez que je fasse réellement. Je récupère un maximum de feuilles parce que je sais pas pourquoi mais je pense que je vais en avoir besoin. Donc je préfère prendre les devants évidemment. Magnifique! C'est magnifique. Alors. Ok. Alors, en termes de discrétion, tu sais quoi, dégage. Dégage, dégage. Parce que là, en termes de discrétion, on va pas pouvoir faire des trucs assez rigolos. Alors que là, terre Udam, là, on va pouvoir faire des trucs rigolos. Tu vois? Ah merde. Ah non, mais c'est trop chiant ça. Ok. À la one again! Hop là! Hop! Voilà. Et bouge pas, hop la petite glissade évidemment. Allez, on y est. Voilà. Un bonheur.
un bonheur. On récupère de la peau de bête. Oh, c'est bon ça. Du jambon. Du jambonneau. Oh là. Mais il a plus de tête lui. C'est horrible. C'est horrible. Peau de yak. Yak. Ok. Allez, on pénètre dans les gorges. C'est bon ça. Oh. Bébé. Ah. T'inquiète, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je maîtrise. Tout a été pensé pour les tuer quand même. Ils sont quand même un peu cons de s'installer là. Mais c'est pas grave. Oh non. C'est bon. C'est bon, c'est passé crème. Toi là-haut, le sniper 1. Oh là. Ah oui, c'est un vrai sniper. Parce que j'aimerais bien faire un truc stylé. Bon, ah, on est là pour se faire kiffer, les amis. C'est. Oh putain, il m'a fait trop peur. On est là pour se faire kiffer. On est là pour se faire kiffer. On est là pour faire de belles choses. On est là pour faire du pestacle. Ah, il me voit lui, hein. Ah, lui je vais le foirer, lui je vais le foirer, ça sert à rien. Alors que lui, tu vois, lui là. Ah, je suis mort. Oh le con. Oh le con. Ah. Ah. Il faut mourir. Voilà. Oh le con. Oh mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi con. Oh ma merde. Alors ça c'était du pestacle. Oh, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous l'offrir. Oh la vache. Quel con. Allez. On continue. Ah mais du coup je suis cramé là. Eh ouais, maintenant je suis cramé, non? Ah ouais. J'ai l'air d'être cramé. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh putain. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh waouh. Ah non, je suis pas cramé. Par contre, waouh. Oh waouh. Ah lui il va appeler les renforts. Attention tout de même. Oh là. Il y a du people par ici hein. Alors là regardez ce qu'on fait. On prend un arc long. D'accord. Et ah. C'est bon. Il est mort et personne m'a vu. Il est mort et personne m'a vu. Bon ils savent où je suis hein, je pense. Salut! Allez! Hop! Hop! Salut! Oh non! Ok. Bien joué à moi. Bien joué à moi. Hello again! Ah! Gênant. Salut! Bon, je m'en sors comme une bite, hein. C'est un échec total, hein. Ah, je vais quand même réussir à en prendre un par derrière. Un bonheur. Bon, pauvre petite chèvre. Ils t'ont fait du mal. C'est pas cool hein. C'est pas cool. Alors, traverser les gorges. Toujours, toujours, t'inquiète. Change pas les bonnes habitudes. Bois dur. Bois dur. Bois dur. Je me régale. Il y a une main d'Aïcha juste en face et il y a un bûcher juste ici et il y a des trucs à faire ici. Et la mission est là. Donc, et il y a un feu de camp, donc c'est le plus important. Très bien, donc on va aller au feu de camp. Comme ça, si jamais on meurt, voilà, toujours penser au pire évidemment. Il y a un sac là. Voilà, peau de poisson croc. Peau de tapir. Camp des pillards, Udam. Les salauds. Les salauds. Il y a des salauds qui
qui pille le cœur des femmes et des hommes qui ne savent plus trop. Ok. Alors attends. J'entends des bruits très étranges. Hop. Merci bien. La main d'Aïcha, elle est ici. Merci bien. Hop. 96 sur 100. Alors, faut que j'aille là-bas ? Ou je... Au secours. C'est par là que je suis censé aller ? Bon bah attendez, on va faire le... Mais qu'est-ce qui se passe ? Bonté divine ! Bonté divine ! Il faut faire le tour par où là ? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans ? Ah oui, il faut que je suive le chemin simplement, d'accord. Et ben... Et si on se faisait le... Pff, non, on va suivre la mission. On va suivre la mission, ça nous évitera de bâcler. Non. Quel jeu de merde. Attendez, vous inquiétez pas, j'ai une solution, regardez. J'ai une solution, je suis bloqué, hein, littéralement, pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris. C'est-à-dire que je peux m'accroupir. Je ne peux pas sauter. Voilà, hein, c'est un bonheur. Mais vous inquiétez pas. Viens là. S'il pouvait s'approcher de moi, je pourrais peut-être le monter. Viens voir. Non, parce que là... Hey. S'il te plaît. On va pas échouer la mission, mais putain de jeu de merde. C'est un jeu de merde. Viens. Viens, s'il te plaît. Ici, au pied. Oui. Viens. Attends, comment je peux faire? Ah, je peux même pas viser. Ah, je peux rien faire. C'est génial. Voilà. Une belle démonstration. Bon, allez, hein. Ça, c'est fait. Attends, mais même comme ça, on peut pas mourir. C'est incroyable. Allez. Voilà. Allez, hop. Et là, comme ça, on va pouvoir recommencer. Voilà, hein, nos 10 premières minutes de vidéo n'ont servi à rien. Ah, c'est bon, ça va. Ouf. J'ai eu peur. On reprend ici. Est-ce que la main d'Aïcha a été prise? Non, il faut la reprendre. Allez, superbe. Bon, faites attention les gars, hein, parce que le jeu est un peu buggé. Hein. Alors, on leur en veut pas, il est quand même sorti il y a un petit moment. Hein. J'ai un peu le seum, j'avoue. J'ai un peu le seum de m'être bloqué comme un novice, comme un newbie finalement. C'est pas grave. Voilà, on récupère comme si on n'avait jamais récupéré. Eh hey, oh. Mais c'est pas beau ça. Hein. C'est pas beau. Hop. Main d'Aïcha, et peut-être qu'en fait j'ai été bête et qu'on peut quand même passer là. Non, non. Décidément non, et on va éviter de se retrouver bloqué encore dans des mauvaises histoires. Voilà, et on va suivre simplement le chemin. Et bien c'est pas jojo, hein. C'est pas jojo tout ça, hein. On va passer par là, j'aime bien. Allez, hein. Le jeu qui t'en empêche. Voilà. Hop. Pas le temps de niaiser. Oh là, ça se fait des petits combats, vous avez besoin d'aide? Pas mal. Oh, il y a un masto. Pas mal. Alors, vous savez ce qu'on fait dans ce genre de circonstances? On appelle un ours et on attaque le masto. On va pas se casser les couilles, hein. Attends, sans déconner. Hein. Paf! Il est mort, lui. Paf! Voilà. Comment ça? Oh, eux ils ont rien vu. Eux ils ont rien vu. Hop. Dommage. Voilà, il est mort. Voilà. Ah, ils sont un peu plus nombreux que prévu en fait. Dommage. Aïe. Mais ils vont se détendre, oui. Allez, Nugget. Paf. T'inquiète. Oh non, mon ours il souffre. J'aime pas l'entendre souffrir, hein. Ah, attendez, bougez pas. Hop. Attends. L'arc long, ça régale. Paf. Impeccable, hein, vous avez vu ma visée légendaire. Voilà, touché. Rectal. Oh le bâtard. Hey. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Oh non. Ok. Tout roule. Bon, mon ours va crever, hein. Mais non, je rigole. Allez, debout. Aïe. Hop. Il faut mourir. Voilà. Voilà. C'est du pestacle. Pépite de chocolat.
Oh, Masto. Attaque. Voilà. Non mais y'a combien de Masto là? Y'a combien de Masto? Oh, dans ta gueule. Oh, il a pas vu venir celle-là. Voilà. Bon bah c'est pas évident hein, ce jeu hein. Mais ça va le faire, ça va le faire. On est en train d'user toutes nos munitions là, c'est impeccable. Heureusement j'ai récupéré un peu de bois dur hein, quand même hein. Ça va loulou? Allez. Ah oui, tu t'es bien fait balafrer là hein. Tu portes bien ton nom mon cocon, mon cochon. Hop, je bégaye. Bonheur. Allez. Ensuite. Oh, c'est con parce qu'on vient de passer à côté de la, du bracelet Wenja derrière. Eh les gars. Là le jeu se fout de ma gueule. Le jeu veut prolonger sa durée de vie et j'aime pas ça. Je retourne en arrière. Et là, échec de mission. Non, non, attendez, vous rigolez ou quoi? On va jamais revenir là-haut, alors... on va récupérer le bracelet Wenja, attends, on fait comment là? Ah merde. Ah non, il aurait fallu faire le... Ah, oh, c'est une plaisanterie. Oh, le jeu a été si bien pensé. Oh, le jeu a été si bien pensé. Et si je fais ça en vrai? Eh, parce que en vrai, moi, le jeu, je le baise. Attendez. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Allez, hein. C'est le jeu qui me baise en fait. Hein. Allez, on continue. On continue notre aventure, notre folle expédition, bien sûr. Très content de ce qui se passe. Attendez, drôle de bruit au-dessus de nous. Un régal. On y va, on s'élance, on avance. Paf. Le feu de camp, le checkpoint. La vallée des chasseurs. Du feu pour Wenja. Uli craint le feu. Atteignez le bûcher, Udam, et capturez-le pour les Wenja. Celui-là, là, bah, ah bah du coup, bah, ça tombe bien, j'ai pas brûlé les étapes. Alors excusez-moi, je vais me permettre un truc, une petite folie hein, de youtubeur, j'ai envie de vous dire. Juste boire un coup parce que j'ai soif. Mmh. Voilà. Écoutez-moi cette belle musique. On va capturer un bûcher, j'ai l'impression qu'on va capturer la fin du jeu quoi. Alors que pas du tout, c'est un bûcher. Oh. Attendez. Il y a un sac à quelque part. Il y a un sac à quelque part ici. Peau de léopard, qu'est-ce qu'il veut lui? Dégage. Oh, tu t'attaques pas plus grand que toi hein. Ça le fout va. Allez. On y go. On y go go. Camp silencieux. Très bien. C'est la jungle ici là. C'est la jungle des loups là. Oh. Ah ouais. Mais ouais. Ouah, mon ours il arrive. Déglingue. Voilà. Déglingue. Allez. Pas le temps pour vos conneries. Pas le temps pour vos conneries. Là, c'est bûcher time. Et en plus, on a la hauteur. Pas du tout cheaté. Alors, on va le renvoyer l'ours. On va essayer de faire ça bien. Ok. Bon, attendez. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà. Oh. Oh. Ok. J'ai capté. J'ai capté. Là, les paramétrages géographiques sont un peu plus téméraires, si je puis dire. Eh, je parle bien. Mm-hmm. Bah, y a pas énorme en vrai. Hein. En vrai, y a pas énorme. Fais-lui en priorité, lui en priorité également. Voilà. Et en vrai, après, c'est bon, hein, ça le fait. Hein. Hop! Voilà. Fallait pas s'éloigner de son camp comme ça hein. C'est une chouette qui vous attaquait hein. Faites pas les fous non plus hein. Hop. Voilà. Hop. Yes. Un bonheur. Allez hein. Imagine je meurs. Par contre je trouve qu'il y a un bug parce que j'arrive pas à les attaquer comme je veux depuis tout à l'heure. Alors pardonnez-moi, je trouve ça bizarre. Hop. On allume le bûcher, s'il vous plaît. Voilà.
Et on fait le petit 1v1 du seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? À la one again. Merci, bonsoir. Abonnez-vous, je rends. Bûcher de la Mamsa Saja. Et c'était le 16ème, le dernier bûcher. On les a tous faits. Trouver la grotte d'Ul. Très bien. On va la trouver, t'inquiète pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a une main d'Aïcha juste ici. Et un lieu inconnu et une autre main d'Aïcha. En vrai je suis chaud. Par contre on peut pas se reposer en vrai. On peut pas passer la nuit là. Normalement on peut, non? Ou je suis débile? On peut pas? Ok. Bah je vais pas me casser la tête. Maintenant qu'on peut se TP les gars, je vais me TP au feu de camp ici. Ok, on s'en fout hein. Ah, on a pété hein. Oh waouh. Oh la pleine lune elle est belle. On va dormir. Ça va nous permettre également de récupérer un petit peu des petits loots. Et puis tranquillement on va pouvoir y retourner quoi. Oh je m'étire parce que je me prépare là, ça va être un... ça va être la folie là. Hop là on repasse à travers le rocher évidemment, toujours un bonheur. Et voilà. Alors on récupère un max de bois. Tac 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 tac. Les feuilles en vrai on est full, c'est bon. Les pots, ok, superbe. Eh ben c'est pas trop mal. On n'a plus qu'à y retourner. Bang bang. Sur le chemin on récupère les deux mains d'Aïcha plus le lieu inconnu. Et on va trouver la grotte d'Ul. Mais qui dit trouver la grotte d'Ul dit qu'on va l'affronter, dit qu'on va terminer simplement le jeu. Je sais même pas s'il y a un générique de fin d'ailleurs à ce Far Cry. Tiens, c'est marrant ça. Je me pose la question de comment. En fait, je sais même pas comment se termine le jeu. Alors, c'est le principe de faire un jeu, c'est de pas savoir comment ça va se terminer. Mais c'est vrai que je me demande comment pourrait bien se terminer le jeu. Parce qu'on est à la préhistoire, quoi. Je veux dire, c'est. Quelle peut être la fin? Mais tu vas me frapper. Eh, t'es vivace toi hein. Il est vivace. Oula. Ah bah ça m'avait manqué un peu de, un peu d'animation par ici. Ah mais en plus il a peur. Hop. Alors hop. Oh les nuls. Oh les nuls. Allez ramasse sa gueule s'il te plaît là. Et de une il y en a une deuxième normalement là. Oh, je peux pas la récupérer genre. Je trouve le seum. Attends le lieu inconnu là. Hop. Oh l'eau elle est tellement pure. Tellement transparente. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, faites pas chier juste. Laissez-moi passer tranquille. Ah purée. C'est pas possible. Allez. La Madacha doit être sous l'eau. Très certainement. Un petit effort. On va se faire bouffer le fiac. Je le sens venir. Je vois le screamer arriver. Voilà. Oh c'est beau. C'est beau. Plus que deux mains d'Aïcha et on aura récupéré tous les objets de collection les amis. Aussi fou que cela puisse paraître, même moi je n'y pensais pas. Mais je crois qu'on va vraiment terminer le jeu à 100% quasi hein. Quasi quasi hein. Donc c'est pas si long que ça vous avez vu. Et en vrai de vrai bah t'as la avant dernière main d'Aïcha ici. Et la dernière main d'Aïcha là. Écoutez on va suivre l'objectif en vrai. Oh là. Ouh ça fait mal ça normalement hein. Ça normalement ça fait pas du bien hein. Allez on y va. On y va. Et là ça va partir en steak. Ça va partir en steak tartare. Allez. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Hop toi je t'ai vu également. Oh là là, il y a du people, hein. Village people, la grotte, elle est là-haut. Il y a un masto.
Ok, ok. Bon, les lanceurs d'alerte, ça me fait plus vraiment peur maintenant. Hein. Ils peuvent appeler, c'est pas... S'il y a des renforts, c'est pas grave. On les déglingue. On les déglingue. Alors, on va juste faire un truc du coup là, vu qu'on a deux mastos là-bas, si déjà. Hein. Autant en profiter. On va envoyer... Hop ! Essaim d'abeille. J'ai réussi. J'ai réussi. Bon, du coup, ils sont un peu en alerte là-bas, mais c'est pas grave. Hop. Et hop. Parfait. Parfait. Alors, toi, surtout, ne bouge pas. On m'a tiré dessus, là, j'ai... Ah ouais. Ah ouais, mais... Eh, ils sont chauds de night, hein. Oh, le sniper, je lui ai coupé les jambes. Ok. Ok, j'ai réussi à me... Dommage. À la one again. Allez, hein. On va économiser les sagas quand même, parce que là... ça risque d'être assez complexe. Allez, hein. Aïe. Pétasse. Voilà. 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 Hop. Salut. Hop. Voilà. Paf. Ah. Ok. Ok. Ça le fait, t'inquiète. Ça le fait, ça le fait. Bombe à piquant, regarde. Tiens. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Oh, je t'avais pas vu toi. Voilà. Voilà. Va falloir songer à mourir. Voilà. Voilà. Pas mal. Wesh. Il est fou lui. Sale kamikaze va. Bon, toi j'ai compris. Voilà. Aïe. Moi aussi je peux le faire. Voilà. Donne-moi ma saga, merci. Hop. Hop. Voilà. Donne-moi ma saga. Ouais, j'ai à combien de masto là? Ah bah voilà. Allez, viens là. Voilà. Là je parle plus trop, je rigole plus là, là je suis fâché là, ça y est, là je suis à donf. Et bien voilà, on va juste enlever le marqueur parce qu'il va me perturber. Et on va pouvoir rentrer dans la grotte d'Ul et on s'en est pas trop mal sorti en vrai hein. On s'en est pas trop mal sorti. Allez. Puff puff puff. Fouiller la grotte pour trouver Ul. Nous y sommes messieurs dames. Voilà, on réfléchit pas, on fonce dans le tas les gars. On est des bourrins. Bon, ils ont pas été alertés à l'intérieur a priori. Boum boum boum. Au contraire, ça fait de la bonne musique. Ils ont pas l'air de s'ambiancer de ouf. Ok. Bon, bah on va se faire un petit trio. Hop. Ah, quoi tu as? Hop. Ah, c'est des innocents. Tu pars pas toi. Voilà, va pas alerter les autres. Pas besoin de ça en ce moment. Oh, salut. Ta gueule. Préviens pas les autres. Trop tard. Hop. Ah, moi je te clean la zone, hein, je te le dis. Hein. Moi je te clean la zone à 100%. Hein. Rien à péter, hein. Bon bah ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal. Oh waouh. On va revenir par ici. Allez, un petit effort quand même. Un petit bébou. Ah. Ok. Très joli hein. Grotte glaciaire là. Oh là là, magnifique. Oula. Oula, sa gueule. Et sa gueule. Oh.
Et il est tout seul genre. Ça va pas me faire croire qu'il est tout seul lui. Ah ouais voilà. Ok. Très bien. Hop. Marie. Ok. Maintenant que j'ai un peu localisé, on va pouvoir se permettre un petit plaisir. Et moi mon plaisir c'est faire ça. Voilà. En toute discrétion, en toute sympathie. Ah! Je l'avais pas vu lui. Ah mais ils sont un peu plus nombreux que prévu. Ah! C'est quoi ce Beans? Ah ouais non mais regardez la minimap, c'est quoi de cette histoire là? Ok. Tiens, cadeau. Hop! Oh là! Oh là! Aïe! Aïe! Attends, ok d'accord. Battre en retraite, très important. Hop dans ta gueule. Dommage. Ok. Ça c'est à moi. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Hop. Voilà, ça ça fait le taf hein. Ça ça fait le taf. Pas te mentir là mon copain. Je me chie un peu dessus voilà. J'ai pas envie d'user toutes mes munitions aussi quoi. Voilà. Ah. Voilà. On va passer par ici pour changer un peu, varier les plaisirs. Le pire c'est que je suis même pas obligé de tous les fumer je pense. Ok. Toi tu l'as pas vu venir non plus. Hop. Ah. Voilà. Hop. Voilà. Très redoutable hein, n'empêche mais ça guet. Un vrai bonheur. Je fouille un peu les loots hein, si je peux récupérer des trucs quand même. Parce que là je suis en train d'user hein. Je suis en train d'user. Eh bien. Ah ouais, un vrai sniper lui. Hein. Bouge pas mon copain. Je vais te faire du sale. Hop. Et hop. Voilà. Allez. Hop. On enchaîne, c'est pas grave. On enchaîne. Ah là 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 là, quelle histoire. Quelle histoire de dingue. Ah mais c'est pas fini. Ah c'est pas fini. Ça s'arrêtera donc jamais. Très joli ça aussi. Oh là là. Mais il est tout seul lui. Bah alors, complètement dérangé le gars. Complètement dérangé le gars. Ok. Et voilà. Monsieur le boss Hull. Nous y sommes. Et là mon pote, on va pouvoir comparer s'il est plus facile ou plus dur que Batari des Terres Isila. Le problème c'est qu'il va appeler ses renforts. Servez-vous des tactiques pour blesser et étourdir Hull. Ah ouais. Pas mal. Il est là. Ok. Et eh bien dans ce cas là. Dans ce cas là. Laissez moi réfléchir, je me chie dessus. Ouais. Voilà. Tu vas rien faire du tout. Ok. Bon. On va jouer au corps à corps. Hein. Pas le choix. Pas le choix, on va jouer au corps à corps. Oh le bâtard. Salut. Voilà. Voilà. On va aller en plein milieu de l'arène. Parce qu'on est un peu con. Voilà. Allez. Hein. Voilà. On va devoir se la jouer comme ça.
les amis, on va la jouer corps à corps, rapproché. Pour éviter de... Ah ouais, bien. Ok, bien vu ça. Tiens. Bien joué à moi. Ah ouais, il a une belle barre de vie. Hein. Il a une belle barre de vie. Hein. Oh, c'est un cul-de-sac MDR. C'est un cul-de-sac. Allez, salut. Allez, salut. Oh non, il appelle plein de renforts. J'ai trop le seum. Parce que je l'ai bien amoché. Hein. Je l'ai bien amoché, hein, le boug. Hein. Voilà. Par ici. Voilà, ça va où là? Ok. Hop! Non! Ça c'est injuste. Voilà, viens par là. Voilà, voilà. Voilà. Oh non, injuste, injuste, injuste. Arrête! Oh purée de pommes de terre. Voilà. De merde. Attends. Voilà. Ah mais si j'ai les abeilles sur moi aussi, frère. Allez. Ok, j'ai plus de sagaie. Un bonheur. Et donc là, stimulant ultime. Voilà. Dans ta gueule. Ensuite. Voilà. Tiens. Voilà. Voilà. Attention. Hop. Dans ta gueule. Hop. Dans ta gueule. Hop. 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 Voilà. Ouh là 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 là. Je parle pas trop hein. Je parle pas trop. Je peux plus faire grand chose. Ah ça c'est pas mal en vrai. C'est pas mal en vrai. Salut mec. Alors par contre je pensais pas. Je pensais pas qu'il y avait tout ce monde là. Voilà. Ah je vais vous clean la zone hein. Allez. Voilà. Putain, il rappelle des renforts. Impressionnant. Impressionnant. Putain, il est où le bâtard? Il est derrière. Il est derrière. Je vais le choper, je vais le choper, t'inquiète. Hop. Voilà. En vrai, je l'ai mis mal plus rapidement que Batari Daisy là. Allez. Voilà. Voilà. Oh, je lui envoie toute la sauce magique. Je lui envoie toute la sauce magique. Voilà. Oh ok. Oh, il lui reste plus grand chose. C'est terrible. C'est terrible. Ah hop là, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Allez, venez voir. Voilà. Là, le problème, c'est que je suis en manque cruel de ressources. Par là. Par là. Oh non. Oh putain. Oh putain, c'est chaud. Oh, c'est chaud de ouf. Ok, j'ai encore des couteaux de pierre, tu me diras.
Ah pas, ça sert à rien. Oh piège. Est-ce que ça marche les pièges sur les... Est-ce que ça marche ou pas? Oh ça marche. Mec, fallait me le dire plus tôt ça, que ça marchait les pièges sur les ennemis. Alors toi tu dégages. Voilà. Hop. Voilà. Il faut mourir. Voilà, on va mettre des pièges ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Eh ben messieurs dames. Oh non. Tuer Hul. Stimulant ultime. Stimulant ultime. Vas-y mange tes morts là. Oh putain. Oh c'est chaud de ouf. Allez. 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 Fais pas l'acteur, il te reste plus rien. Dégage. Voilà. Voilà. Aïe aïe aïe. Ouh. Hop. Voilà. C'est tellement épique. C'est tellement épique que je comprends pas comment faire. Hul, il faut mourir. Ah les stalactites, j'avais oublié. J'avais oublié. Oh. Ok. Dommage, dommage, dommage. C'est... Les couteaux kappa là, c'est pas ouf en vrai. Tu vas mourir. Voilà. Eh bah je crois qu'il est mort, il s'est pris le piège le con. Oh il s'est pris le piège le con. Oh le con. Sunshine.
Nashua. But Chaos, my man. Bashayu! Bashayu! Wenjai. Palhuman Sidaf Patapa. No, Buddha Ninja Dwaya. Put Shlawata. I kuspa marwa winja. Sasash. Wow. Le sanctuaire Udam. Alors je suis très content les amis parce que j'ai eu la chance, peut-être vous aussi, de voir sur la minimap, voilà, en bas à gauche, qu'il y a deux choses qui nous attendent encore. Mais que vous le vouliez ou non, c'est vraiment la fin du jeu en fait. C'est la fin du let's play. Ça m'embête un peu parce que là il faut que je parle à Da, que je parle à Urki. Urki le penseur, c'est, à mon avis, ça va être très bonus, ça va être que pour rigoler si vous voulez mon avis, parce que ça va être que de la merde. Lui, ça va juste être une conclusion à mon avis. Et moi, ça m'embête, c'est que j'ai pas encore tout vu de là-haut. Et comme je la sens venir, les amis, gros comme une montagne, paf, 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 on retourne là-haut. D'accord. Ah bon, il va faire nuit, mais c'est pas grave. On retourne là-haut. Ah, on va récupérer tous les derniers objets de collection. Et ensuite seulement, on pourra retourner au village discuter. Alors cet épisode sera un petit peu plus long. Je préfère, parce qu'en fait le problème c'est que si j'arrête là, moi je vous dis, ma plus grande crainte là, comme je ne sais pas ce qui va se passer, ma plus grande crainte c'est que j'arrête l'épisode et que le prochain épisode ce soit l'épisode final et que ça dure 10 minutes. Et ça j'ai pas envie. Donc je préfère justement que cet épisode dure 10 minutes de plus et que ce soit peut-être, sûrement, le dernier épisode. Mais au moins voilà. Bon, vous êtes pas censé avoir peur de moi là, dégagez-vous là. Non mais oh. Donc voilà, on va récupérer tout ça. Et on retournera au village pour voir un petit peu ce qu'il en est, je pense, messieurs. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, à mon avis, hein. Vous le savez déjà avant moi, si c'est le dernier épisode ou non. Et par contre, ce que je fais, c'est con. Et au pire, on va essayer quand même. On va essayer de passer par... parce que là, c'est vraiment de la merde, cet endroit de la carte, là. On va tenter un truc. Il fait sombre, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, on avait essayé, souvenez-vous, tout à l'heure... De passer par là, ça marchait pas, mais j'avais surtout pas envie de mourir, c'est surtout ça. Mais là maintenant, on s'en fout un peu, je peux essayer. Alors attendez. Hop. Ok, je peux pas, mais peut-être que si je fais ça. Voyez-vous? Peut-être que ça a été pensé pour. Non, on a le droit de rêver, non? On a le droit de rêver. Ouais. Ok. Bon, bah c'est pas grave, donc il faut réellement passer par... Faut passer par là en fait, indirectement. Ok, ça marche. Bah écoutez, c'est pas grave, on annule, on va se retaper, on va recommencer. Bon, il fait vraiment nuit, c'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Viens voir Coco. Viens là, mon petit loup. Enfin, mon petit tigre. Ah, comme tu veux que je t'appelle. Hein. C'est pas un souci. Allez, on y va. En tout cas, je kiffe. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce rebondissement de situation là avec les enfants là. Franchement, je trouvais ça super cool. Je m'y attendais pas. J'ai même cru qu'on allait le laisser sain et sauf, qu'on allait pas le tuer. On l'a quand même tué, c'est très bien. Enfin, du coup, il est mort. Donc, ouais, vraiment plutôt pas mal. Mais ça se voit que ça a été pensé pour faire d'abord ça et ensuite seulement Batari dans le sud. Mais nous, on a fait vraiment l'inverse. On a vraiment fait le jeu à l'envers, c'est très rigolo. Mais c'est pas grave, ça fonctionne très bien comme ça. Et puis, au moins, ça nous a permis de souffler aussi un petit peu et de, voilà, de s'amuser à faire ce boss un peu plus. Tu vois, j'ai pu faire un peu kamikaze. Donc, c'est cool en vrai. Il y a des feuilles roses. C'est quoi? Feuilles mauve, ok. Et là maintenant je vais pouvoir aller là-bas pour... Voilà, là on est au-dessus, on va pouvoir récupérer le bracelet Wenja. Très bien. Voilà, on va se terminer ça tranquillement les amis.
Ah, j'ai hâte de vous lire en commentaire ce que vous en avez pensé jusqu'ici, de l'aventure en tout cas. Je pense qu'on peut partir sur une conclusion quand même. On va les laisser en paix là. De toute façon ils ont peur de nous maintenant. Ils font genre c'est les derniers un peu, les derniers rebelles, mais ils ont peur de nous en vrai. Alors, eh ben, on va pas chercher plus loin. Il est juste ici. Ah, faut que je descende. Dommage. Là, je te vois. Hop. Merci. Plus qu'un bracelet. Mais d'abord, la main d'Aïcha juste ici. On va passer devant un lieu inconnu en plus, donc c'est cool. Salut. T'as, il force. Il lâche pas l'affaire là. Hein. Ils se sont dit j'ai tué leur chef, j'ai tué leur boss. Mais ils pensent qu'ils ont encore leur chance. Incroyable. Incroyable. Allez. Là ça fait grand, là ça fait loin quand même. Ça fait des bonnes distances à parcourir quand même. Mais ouais, en tout cas pas déçu d'avoir franchi le cap encore une fois, d'avoir franchi le pas de lancer Far Cry Primal. Bon, le lieu inconnu il est là-haut, vas-y flemme. On passe peut-être à côté d'un easter egg, qui sait, je ne sais pas. Regardez cette Milky Way, cette voie lactée magnifique dans laquelle nous sommes. Hop. Chute de Mi-Mamsa. C'est beau. Évidemment, la main d'Aïcha. Ok, c'est bon. On va pouvoir grimper là. Hop. Oh là là, les étoiles, c'est beau. Les étoiles sont carrées, hein, comme vous pouvez le constater d'ailleurs. C'est un petit peu Minecraft, hein, finalement, par ici. Ah ouais, là, c'est carré. Oh, waouh. Ah ouais, non, mais là c'est les bords de la Terre plate. Hein. Je rigole hein, quand je dis ça à chaque fois, les gars. C'est. Enfin, je rigole. C'est un rire jaune, mais. Allez, plus qu'une main d'Aïcha et plus qu'un bracelet Wenja. Les deux sont ici, messieurs, dames. C'est incroyable, mais vrai. On va se re-TP, on va pas se casser le cul. Ça permet de passer le temps également. Le jour va déjà se lever. Et. Putain, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ouais, le jour se lève, c'est impeccable. Oui, brave bête. Je voulais pas te caresser, mais c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Hop. Oui, on se terre un peu, les loups là. Ah, et puis il veut pas traverser la flotte en plus, le salaud. J'y crois pas. Quel flemmard. Tirer sur la cage et libérer l'animal. Attends, dernière action quand même. Dernière bonne action quand même. Voilà. Voilà. Sois libre. Sois libre. Bon. Par ici. Fait du bien un petit peu de feu, un peu de chaleur dans cette neige. Je pense que c'est par là. Le jour s'est levé. Oui. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts? C'est emblématique ce qui se passe. La dernière main d'Aïcha, c'est maintenant. Aïe aïe aïe. 100%. Une petite caresse encore parce que ça fait toujours plaisir. Et le dernier bracelet Wenja qui est juste au bout. Et ben en plus il y a des blaireaux là-bas, c'est superbe. On va aller faire un petit coucou à nos amis des blaireaux. On les embrasse de loin. Ah, on perd la sagaie une fois que le feu est fini. Ah, je viens de capter à la fin du jeu cette couille, d'accord. Falaise du long sommeil. Hop. Ici. Et voilà. Eh ben messieurs dames, wow, avec le beau lever de soleil derrière, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Attendez, un petit plaisir. Un petit plaisir quand même. Bon, allez s'il vous plaît, un petit plaisir quand même. Un petit plaisir quand même. Hello again. Ah. Bah monsieur. Oh, l'esquive, bien vu. Paf. Oh, l'esquive. Oh waouh, il y a du people. Bon, eh ben messieurs dames, une très bonne chose de faite. Compétence. Attendez, parce que c'est une vanne ce qui se passe hein. Compétence. Bon bah écoutez, on va se mettre on va rien se mettre. Et confection, attendez qu'on rigole. Ceinture à gourdin. Bah voilà, on peut transporter plus de gourdins. Oh là là, 10 gourdins maintenant. Ça va nous être très utile maintenant hein, pour l'aventure, vraiment. Mais ça va pas. Voilà. Eh mais les blaireaux, c'est vraiment des... Ils portent bien leur nom. Direction le village.
On va pouvoir également voir notre progression réelle, globale. On va avoir la larme à l'œil parce que regardez. Bon, donc les huttes, 100%. Là, il reste plus qu'un élément de l'histoire. Donc ça, c'est, je pense, la discussion qu'on va avoir. Donc 12 sur 13. Tout est complété sauf les apprivoisations des bêtes. Et il nous reste un objet de collection. Comment ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh merde, il reste un esprit totem. Oh, j'ai trop le seum. Oh non, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Mais il est où? Oh, il est... Ok les gars, il est pas sur la carte. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on va l'avoir quand on va discuter avec les autres, je pense. Allez, on va commencer par Urkill Penseur parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Qu'on adore ce gars. C'est trop un rigolo. C'est trop un bon. Donc on va aller le voir en premier. Ça me paraît pas trop mal. Boudicuala! Boudicuala! Darsh! Urki Palhu Huinja White! Urki Chamana! Damn Shadaha! Manta Quabrashtar! Urki Huinja Quayauga! Samapai Chadafmas! Voilà. Une discussion dans le vent. Et à mon avis, ce sera à peu près la même chose là-bas. Sauf que là-bas, à mon avis, c'est ce qui va nous débloquer le dernier. Le dernier move du jeu à mon avis. Je m'attendais à mieux de la part de Urki, je vais pas te mentir. Mais c'est pas grave. On le retrouvera sur Far Cry 5 si vous voyez ce que je veux dire. Da Bal Yao Dan. Haiwa Ul Balar Nu Ul Guanta. Tabal Malchasar Mubalasar Kapal Pur Guardu Marti Par Takar U Da Guan. Ok. Ah, il m'aurait laissé le choix, je l'aurais pas tué. Hein. Pour le coup, en vrai. Et maintenant, on va aller voir Syla l'accueilleuse. Premier personnage qu'on a rencontré. Et probablement dernière. Si ça, c'est pas la fin du jeu, les gars, je sais pas ce que c'est. Hein. Oula. Uguam! Winza! Guarishama! Oula, Marwa! Nati Haika Guasta, Syla. Salwa Urus, Winja Nashman Waida. Takar Nashman Dwayarsh. Shaja Mas. Warpeti, Wash. Tibal Shayu. Winja Yoga. Takar! Warpeti! Takar!
Parvati! Nitakar! Uhara! Nu! Tibrayash Swarsa! Let's go! Le premier let's play où j'ai pas la larme à l'œil sur la fin. Ça, ça fait plaisir. Ah, c'était cool par contre. Allez! Ah, par contre, j'ai trop le seum, j'ai pas eu le dernier totem. Comment ça se fait là, les gars? Comment j'ai pu passer à côté? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ils vont se prendre une bonne bière. Ah, c'était chouette. Alors, moi, j'aime pas trop passer les génériques de fin. Mais je pense qu'il doit y avoir une scène après. Parce que si on peut passer, peut-être qu'il y aura une scène après. Mais j'ai peur que le générique soit trop long. Et j'aime pas passer les génériques, je déteste ça les amis. Donc j'en profite pour faire ma conclusion maintenant. On s'en arrête là pour cet épisode. Ah ouais, alors les droits d'auteur par contre ça va 2 minutes, hein. Donc je vais un petit peu couper le son, j'en suis navré. Mais j'ai adoré ce let's play. Donc moins de 30 épisodes, ça fait zizir. J'espère que vous l'avez apprécié, vraiment si c'est le cas bah, je compte sur vous, maximum de likes. On se retrouvera très vite donc pour de prochaines aventures. J'ai hâte. Far Cry 5 peut-être si vous me validez. Si j'en ai l'envie, mais peut-être pas tout de suite encore, mais par la suite. Ou peut-être d'autres let's play, Green Hell, des choses comme ça. Faut voir, faudra voir ce que nous réserve l'avenir. On va déjà se contenter de ce beau, de cette belle fin de let's play. Avec pas de choix, pas de fin alternative sur ce Far Cry, tiens. C'est vrai qu'on peut le dire. Pas de choix, pas de fin alternative. Mais vraiment sympa, je pense que ouais, un bon Far Cry de transition entre le 4 et le 5. Même si forcément, bah moi mes Far Cry pépites c'est quand même le 3 et le 4. Mais ce Far Cry Primal ne m'a vraiment pas déçu, je suis très content de l'avoir comme dit découvert plus tard. Et il a pas mal vieilli. Des bugs, par endroit évidemment, mais c'est Ubisoft. Et puis surtout, bah, des petits moments un peu, tu te dis c'est un peu bâclé et tout, tu sais pas trop. Mais bon, dans l'ensemble c'est quand même bien complet. Moi je me souviens que le jeu était quand même pas mal critiqué quand c'était sorti. D'où le fait que j'avais pas trop osé y toucher et que ça m'intéressait pas. Mais en vrai je pense qu'il a été critiqué mais pour rien quoi. Donc franchement j'ai adoré et je vais me permettre de passer la cinématique. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, c'était Mkolo, je fais plein de bisous. Oh magnifique. Ciao tout le monde. Oh c'est superbe, allez ciao tout le monde. Winja Salwa, Mam Urus Ati Jauha.